Cet homme est un phénomène. Le squash n'est plus une affaire de Britanniques. Pour la première fois depuis son origine, un francophone domine la discipline. Champion du monde, numéro 1 mondial, à 29 ans, Thierry Lincou a vaincu les préjugés, brisé les traditions, gagné le respect. Un sacré personnage, une gueule, un physique, un état d'esprit. Pourquoi t'es si fort ? Tout est dans la tête, je pense. Thierry Lincou, ou l'art d'avoir la tête et les jambes, toujours prêt pour aller au combat, au contact de l'adversaire, le mental aussi, pour sauver 7 balles de match en demi-finale face à l'anglais Lee Beachill, son grand rival. Il a sauvé des balles de match en confiance et tout, sans problème. On reprend bien à fond mentalement le 4e, le 5e. Hein. Allez, Nino, à la niaque, hein, à la niaque. Même soutenu par le public, l'anglais craque sur ses terres. Thierry ne laisse pas passer l'occasion. Un retour d'enfer, du Lincou tout craché. J'ai un peu accéléré, c'est tout dépassé. J'ai mis sous pression et j'étais vraiment... J'étais derrière le score et tout, j'ai tout lâché. J'ai tout donné. Ce qui est étrange, c'est que depuis qu'on a appris que Céline était enceinte, quoi, donc depuis qu'on attend le bébé, ça a eu des répercussions sur mes résultats, c'est sur mon classement. Donc depuis sa conception, j'ai jamais aussi bien fait. Et je pense que vraiment, ça m'a aidé à franchir des limites. C'est la radio qui gagne, ça. Ça m'a l'air pas mal, écoute. C'est au son, je vais te le dire. Là, je remets bien les cordes. C'est pas mal. Au pays des petites balles noires et des raquettes à long manche, Lincou est reconnu et admiré. Masters à Londres, le sommet de la saison, le rendez-vous des 8 meilleurs joueurs du monde. Un tournoi de prestige et un chèque au vainqueur de 22 000 $. Le top niveau mondial vit confortablement de son sport, mais pas suffisamment pour s'éviter de préparer l'avenir. Je peux pas vraiment me contenter de ça pour couler des jours heureux. Donc ça va me servir effectivement à bien démarrer après dans une vie professionnelle, dans une fin de carrière, tu vois. Mais je pense que cette année, je vais payer un peu d'impôts, hein, pour répondre à ta question. C'est bon signe. C'est bon signe. En route pour la finale. Un titre à défendre, un statut à assumer, celui de l'homme à abattre. C'est le meilleur joueur du monde ? C'est le meilleur, sans problème. Vraiment ? Oh, de loin. Thierry Lincou n'est pas dans un grand jour. Il a laissé une partie de ses jambes en demi-finale la veille. Jonathan Power a pris le pouvoir dès le début du match. Le clan Lincou est sans illusion cette fois sur l'issue finale. Thierry est dominé. Il n'a plus la force de contester la suprématie de Power. La balle va trop vite, revient trop souvent. La défaite fait mal. Ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour le squash, c'est de vous retrouver en finale des Jeux Olympiques à Paris en 2012. Oh, ce serait trop bon, ça. Le Canada et la France en finale, j'espère bien. Ouais, pour la médaille. Une médaille serait bien pour finir. Ouais, j'aurais 38 ans, mais... Ouais, c'est pas grave. Thierry Lincou aura, lui, 36 ans. Une chance d'être enfin roi en son pays.